Salut à tous, me revoilà pour l'épisode 2, l'objectif du soldat. Alors, me revoilà pour l'épisode 2. Alors, oui, qu'est-ce que je voulais faire? C'est vous faire voir que je suis toujours en difficile. Hein. La contrainte d'avoir une vie. Bah, je m'étais mis là pour dormir. Ok, bon, il y a trop de monde. Ah oui, c'est vrai que j'avais oublié ça. Ok, oula, ils sont réveillés carrément à croire que... Allez, poussez-vous là. Oh, il y a un vaillant. Voilà. Me voilà bah, sur le lieu de l'accident qui a eu tragiquement la fin de la série. De l'objectif du soldat bah, saison 1, épisode 2. Voilà, comme vous le voyez, bah, malheureusement le creeper a bien fait son boulot, a bien niqué ma série, l'enfoiré. Et voilà, les contraintes de, comment dire, les contrats plutôt de la série, c'était en une vie, si je meurs, bah c'est fini. Je pense que je dois être le seul sur Minecraft à avoir fait cette connerie-là. À mon avis, même un anglais n'a pas réussi à faire ça. Moi, j'en suis la preuve en direct, oui, en direct, en vidéo, comme vous le sentez, comme vous le voulez. Bah voilà, j'allais vous annoncer des nouvelles choses pour la série, mais bon, bah là, je vois que c'est mort. Ça ne sert plus à rien de chercher quoi que ce soit sur la série. Comme vous le voyez, c'est complètement mort. L'épisode 2 a bien débuté, c'est mal terminé à cause de deux zombies qui faisaient chier un peu le monde pour éviter de dormir. Et voilà, bah maintenant, j'espère que ça va beaucoup inciter des gens à faire des vidéos, des aventures suivies, et à faire comme moi, parce que je pense que, comme je le dis et je le répète, que je suis vraiment le seul à avoir fait cette vidéo là. Comme vous le voyez, bah j'ai crevé comme une mouise, bah voilà, je ne sais pas quoi dire, je suis dégoûté, bah voilà quoi, c'est la fin de la série. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai d'autres projets. Et aussi au passage, vous aussi, si vous avez un projet en commun, n'hésitez pas à me le fournir, je serais ravi de qu'on le partage ensemble. Quelqu'un qui a déjà une chaîne ou quelqu'un qui n'a pas de chaîne, hein, n'hésitez pas, vous avez un projet qui tient la route ou quoi que ce soit, envoyez-moi au mail edioscaletti@live.fr. Et voilà, ne vous inquiétez pas, j'ai d'autres projets. Je ne l'ai pas fait exprès de faire ça, mais bon, bah, va falloir que je recherche un autre. Hein, un autre projet aussi bien que celui-là que j'avais préparé. Mais bon, bah, voilà quoi. Et je voulais revenir aussi, faire une petite parenthèse pour question de Secretcraft, non, pas du tout. Pour l'instant, c'est en stand-by, ça aussi. C'est le centre de formation de Minecraft. Je refais une vidéo à nouveau, enfin une petite parenthèse d'explication. Alors écoutez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Merci à vous de bien regarder la vidéo et de bien l'écouter. C'est, je recherche juste des gens pour travailler en fait avec moi, pour m'aider à faire le scénario du centre de formation de Minecraft. Ça veut dire que vous ne serez pas devant la caméra, il n'y aura pas, je vous donne pas l'IP comme ça. C'est comme j'ai vu le commentaire de la d'une personne, c'est comme j'ai dit, c'est pas Carrefour, c'est on choisit pas son aliment ou machin, c'est je demande de remplir une candidature à envoyer à edioscaletti@live.fr. Je les répète tout le temps, je vous la mets même dans la description, il n'y aura pas de souci. Il faut juste remplir une candidature, savoir à peu près votre disponibilité et tout ça. Bon, ça, vous avez l'autre vidéo pour voir la disponibilité. Et voilà, quoi. C'est pour ça qu'il ne faut pas me demander l'IP, faut pas me demander de vous mettre dans la whitelist, faut pas... C'est moi qui le décidera, ne vous inquiétez pas, je prendrai tout le monde. Hein. Par contre, bon, j'ai vérifié, ça serait pour 10 personnes.
à peu près pour 10 personnes, alors il y a déjà 3 personnes à compter de moi. Alors n'hésitez pas à envoyer par mail votre candidature. Voilà, bon bah je vous dis à une prochaine fois et une prochaine série. Allez, à bientôt.